Hello tout le monde, cette vidéo rapide, on jase là. Très rapide, je l'espère, parce qu'il faut que je parte dans quelques minutes. J'ai accès au Wi-Fi de ma job, fait que j'aime ça quand j'arrive à uploader une petite vidéo. Ça joue pas sur mes données parce que. Pas parce que je suis un tout nu, parce que hein, je me suis fait critiquer, traiter de tout nu, parce que je vis humblement. Là, j'ai montré comme grosse pile d'argent. Montrer que je suis pas tout nu. Et puis on m'a traité de prétentieux qui flash son cash. La même gang, c'est toujours rigolo. Fait que. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai une pile de cash. Vous comprenez pas. Bon, on y va. Petite vidéo en jase là. Je vais faire la chose la plus rapide possible. Vous savez, le cash virtuel s'en vient. Bon, les crypto-monnaies, les machines automatiques, en tout cas. Tout s'automatise, tout va contre l'être humain. Les moyens physiques. De pouvoir avoir des interactions entre nous sans que ça paraisse. Tu sais, si tu veux t'acheter du pot, tu vas pas à SQDC, là. Le gars qui te vend le pot qui est pas le SQDC, il a probablement pas un interact. Ça de même. Tout ça pour dire que il y a des choses dans la vie. À un moment donné, votre argent ne vaudra plus rien. Fait qu'il y a des choses dans la vie qui ont une valeur. Même si on ne peut pas les vendre pour avoir de l'argent. Oui, on peut le faire. Mais si tu veux vraiment pas rentrer dans le virtuel. Oh, on vient de voir le trou dessous de mon bras. Faire attention, on va faire traiter de tout nu parce qu'on voit un petit peu de peau. Toulou! Il y a des choses qu'on peut. Dans lesquelles on peut investir. Ou, lorsque c'est gratuit, le ramasser, mettre son ego de côté, puis préparer des outils pour plus tard. Là, je vais juste vous parler d'un concept. Que vous pouvez commencer à appliquer, c'est de ramasser ou d'acheter des métaux. À cause de toutes les 5G qui ont été installées, le cuivre et la brasse, ça s'appelle-tu comme ça en français, brasse, laiton, je crois. Laiton, cuivre, brasse, si c'est pas du laiton, chose que je pense que c'est. Bien sûr, l'or et l'argent. Mais ça, vous n'en trouverez pas dans les poubelles. Et quand vous jetez un appareil électroménager ou quelque chose comme ça, vous l'envoyez au recyclage, coupez le fil. Il y a plein de cuivre là-dedans, puis le cuivre se vend. Aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé l'été passé, c'était dans les... pas loin de 5$ la livre. Le métal, c'est quand même assez pesant. Je ramasse aussi les goupilles d'aluminium. Les goupilles de canette. L'aluminium, c'est vraiment pas lourd, mais il y a quand même une valeur à ça. Fait. Quand vous discardez quelque chose, mettons un vieux lit avec une base en laiton, gardez le laiton, Chris, ça vaut vraiment de l'argent. Le laiton, la dernière fois que j'avais checké, c'était dans les 3$ la livre. C'est quand même pas trop mal. Puis, moi, j'habite en région. En ville. Ouh, je suis fatigué. J'habite en ville, fait que à chaque premier de mois, ou périodiquement, à chaque semaine, à chaque jour, quand je passe, il y a des gens qui déménagent, qui sont évincés de leur logement. Et des fois, comme il y a une base de lampe en laiton, c'est pesant, man. Ça doit peser 5-6 livres. Je la ramasse. Je l'emmène chez nous. Je la mets de côté. Si vous êtes en campagne, vous avez des bâtiments et vous avez la chance de tomber sur des trucs en laiton, en cuivre, ben ramassez-les puis stockez-les. Vous allez me remercier un jour d'avoir ça. Puis commencez tout de suite. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin avant 2030. C'est des chiffres là, pour vous faire croire que vous êtes confortable présentement et que vous n'avez pas trop vous inquiéter pour l'instant parce qu'on est
Juste en 2023. Dans 7 ans. Mais ça va ramasser les métaux. Si, n'hésitez pas à acheter de l'or, de l'argent. Pourquoi pas des lingots de cuivre et mettre ça en sécurité. Un jour, ça va vous servir et ça n'a pas fini d'augmenter. Toutes les 5G, tout ce qu'ils sont en train d'implanter, ils en ont besoin en tabarnak de cuivre. Et qu'ils veulent votre cuivre. Donnez-leur pas. Moi, quand je passe, je le fais moins parce que j'en ai beaucoup à éplucher. Mais j'avais toujours un cutter dans mon sac à dos. Puis à chaque fois que je m'en allais quelque part, oh, tiens, un électro. Faut faire attention, par exemple, les fils minces, 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 refaits en cuivre, ça vaut moins cher. Vraiment comme le fil électrique avec le fil de cuivre, là, mais vraiment comme thick. Ça vaut cher. Le reste, c'est moins intéressant parce que ça vaut moins cher. Ça tombe, je pense, dans les 2-3 $ au lieu de 4, 5. Mais c'est quand même easy money. Il y a des outils pour éplucher, skinner, comme ils disent, les fils. Puis, il y a des trucs que vous pouvez trouver sur YouTube pour faire des petites machines pour ouvrir le fil puis sortir ça facilement. Fait que c'est de l'argent easy. Dès l'été, tu te fais un feu, tu skins ton fil en même temps. Pas si astreignant. Puis un jour, ça va être monnayable, ne serait-ce que par troc. Mais les métaux ne perdront jamais de valeur. Ça va continuer d'en gagner. Sur ce, mes hommages à maman.